Salut tout le monde, c'est Lolox, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas les gars, ça va très très bien. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo sur la Gaming Room. Alors je sais que vous êtes beaucoup, mais beaucoup à me demander la vidéo numéro 2 sur la Gaming Room. Donc voilà, j'attends de finir un petit peu tout ça, tous les petits travaux qu'il y a à faire dans la Gaming Room pour vous faire une bonne vidéo avec voilà, pas mal d'informations, etc. Je crois que ça fait un an que la première vidéo est sortie. Donc voilà, promis, mais bon, la Gaming Room c'est pas une chose qui se fait d'un seul coup. Ça met un petit peu de temps, etc. Faut de l'aménagement, etc. Donc voilà, de toute manière, je vous tiens souvent informé sur les lives. Bon, bah, pour ceux qui ne suivent pas forcément la live, vous devez vous dire, putain, mais Lolox, ça fait un an que t'as pas sorti cette vidéo sur la Gaming Room, donc bouge-toi, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc voilà, aujourd'hui, petite vidéo sur l'installation des mousses acoustiques dans la Gaming Room. Donc les mousses, elles vont servir à quoi? Elles vont servir à avoir une meilleure qualité au niveau du son, et je vais les positionner sur ce mur, donc le mur qui est devant moi quand je parle. Donc voilà, j'ai profité qu'il n'y avait pas mon PC, et puis voilà, donc je vais essayer de décaler un petit peu le bureau, tout ça, et puis on va faire un petit timelapse quand je les installe et tout. Je vais vous expliquer un petit peu comment je vais faire, et puis si vous êtes intéressé, etc., je vais vous donner les liens de ces mousses, etc. Donc voilà, bref, on va discuter un petit peu de tout ça, et puis on va voir le rendu. Moi je suis très impatient de voir le rendu, est-ce que ça va faire, pardon, déjà joli, est-ce que ça va être joli à voir, et puis est-ce que vraiment, voilà, est-ce qu'on va constater d'amélioration au niveau du son? C'est vraiment les deux grosses questions que je me pose. Donc voilà, let's go, je pense qu'on en a pour un petit moment quand même pour installer tout ça. J'ai beaucoup de mousse, je vais vous montrer un petit peu. J'ai tout ça comme mousse, bon tout ça, c'est déjà pas mal, mais je crois que j'en aurai un petit peu en trop, donc on verra pourquoi pas en mettre peut-être sur le plafond. Je sais pas encore, faut voir, faut que ça soit un petit peu esthétique, parce que si c'est moche, ça va pas être folichon. C'est parti, on passe du coup à l'installation des mousses, et puis je vais devoir décaler un peu le bureau pour être mieux. Et donc voilà. Bon, du coup, comme je vous avais dit, j'avais prévu en fait de mettre du double face ici dans les angles, mais le problème, regardez, c'est que ça tient pas, et du coup ça casse un peu les couilles une fois qu'on le met sur le mur. J'ai testé, du coup ça marche pas, mais j'ai trouvé la solution. Du coup je suis allé acheter du, si ça veut pas faire mise au point, du Niclo Nivis, et du coup je vais faire exactement pareil, enfin je vais en mettre dans les quatre coins du Niclo Nivis. Normalement ça va coller à la mousse, et je rajouterai un petit point au milieu, et là au moins on est sûr que ça tiendra. Donc voilà, du coup il faut refaire, mais avec le Niclo Nivis. Let's go. Bon, du coup, ça va retenir avec la colle, enfin avec le Niclo Nivis. On va continuer. Si je vois que ça tombe, je m'inquiète, parce que je pense qu'on a pourri le mur derrière. Une fois qu'on l'a pourri, c'est fini. Donc voilà. Bon, maintenant on part sur un petit timelapse, parce qu'il y en a pour un petit moment. Donc pour conclure, je vais vous donner mon avis. Franchement, moi je trouve que c'est très joli déjà, donc c'est super esthétique. Surtout avec les petites LED derrière, ça donne vraiment un effet un peu gaming, c'est vraiment, vraiment cool, vraiment joli. Donc après, pour ce qui est de l'isolement acoustique, franchement je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est pas non plus du gros matos de pro, hein, mais c'est déjà pas mal. Et puis ça permet d'éviter un petit peu tout ce qui est écho, tout ce qui est réverbération, résonance un peu du son. Donc je trouve que c'est toujours un plus, et puis voilà quoi, esthétiquement parlant, ça en jette. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et puis moi je vous dis à bientôt, promis, pour la vidéo setup de la Gaming Room. Ça va arriver très prochainement, parce que vous êtes beaucoup à me poser plein de questions sur le joli bijou qui se trouve juste ici, ainsi que tout le matos. Donc voilà, ça arrive très prochainement, il me reste un petit peu de choses à finir, et puis la vidéo arrivera très prochainement.